L'armée du salut, en pleine expansion dans le monde, arrive en Suisse en décembre 1882 à Genève. Cette arrivée a lieu grâce à une commande d'un pasteur genevois. Il voulait distribuer 500 journaux de l'armée du salut à Genève. Le jeune colonel Arthur Clibon, âgé de 30 ans, il apporte lui-même les journaux attendus. Ils se rencontrent, le colonel préside quelques réunions et il organise pour le 10 décembre, jour de l'escalade, une conférence dans la grande salle de la Réformation. Le sujet, la devise de l'armée du salut, sang et feu. Les affiches sur les journaux et la mention de l'armée du salut commencent à se répandre dans toute la ville de Calvin. Une fois que le colonel a testé le terrain helvétique, maintenant c'est le moment de passer à l'offensive, à la façon salutiste. Cette affiche était partout dans la ville. L'armée du salut livrera ses premières batailles au casino de Saint-Pierre, vendredi 22 et samedi 23 décembre à 8h du soir. La maréchale conduira l'attaque. Entrée libre, venez à 7h30 pour avoir une place. L'effet de surprise, de curiosité et même de choc était atteint. Voilà la façon salutiste. Cette fois-ci, l'attaque sera conduite par Catherine Booth, la maréchale. Ce titre de la maréchale lui a été attribué comme une blague par les Parisiens. Quand elle venait prêcher dans les quartiers pauvres de Paris, il y avait des moqueurs qui disaient « Oh, là voilà la maréchale, elle vient nous convertir ». Mais elle a trouvé que cela l'allait très bien, alors elle commence à signer ses lettres comme « la maréchale ». Ici, la rue où se trouvait le casino de Saint-Pierre, à côté de la cathédrale, était remplie de monde. La salle à l'intérieur était pleine. Il y avait même du monde jusqu'à les grands escaliers, jusqu'à dans la rue. Tout le monde se bouscule, se presse, on offre même de l'argent pour avoir une place à l'intérieur. Personne ne veut manquer cette attaque conduite par la maréchale. Mais en fait, je dois vous avouer quelque chose ici. Les gens sont venus pour voir une armée. Mais en guise d'armée, la scène du casino de Saint-Pierre ne verra apparaître que 5 personnes vêtues avec un simple uniforme bleu avec deux S. Sauver pour sauver. Le lendemain, les journaux parleront d'une troupe d'enfants. Et avec raison, car la maréchale, elle avait seulement 24 ans. Elle est décrite comme une mince et svelte avec un chapeau qui fait ressortir l'ovale gracieux du visage. Ses yeux bleus expriment tour à tour l'énergie et la tendresse, plus d'énergie que de tendresse. Ses mouvements ont aussi une grâce singulière, mais son charme souverain, c'est sa voix, fraîche, pure, avec des tons à l'infini. Cette voix pénètre toutes les fibres de l'auditeur. Face à ce grand public, l'attaque commence. Des gens, des témoignages et la prédication puissante du message de salut en Jésus-Christ. Et finalement, le but de l'attaque, la raison pour laquelle l'armée du salut existe, inviter les gens à trouver en Jésus-Christ leur sauveur. L'invitation s'ouvre et 12 personnes s'avancent et s'agenouillent dans la prière et dans les larmes. 12 de toute une foule. Les 5 salutistes sur l'estrade se regardent et se disent dans leur cœur, c'est le signe de la victoire. Mais cette bataille ne fait que commencer. Les réunions de l'armée du salut continuent, cette fois à la salle de la Réformation, avec 3000 personnes chaque fois. Maintenant, il y a la police pour assurer un peu d'ordre. Inutilement, car il y a une opposition concernée qui commence à se dessiner. Tout au long des réunions, il y a des perturbateurs. Le journal dira à propos de ça. L'un d'eux s'était placé devant l'estrade et se livrait, en face de la jolie maréchale, à des grimaces dont un singe aurait été jaloux. Dans une autre réunion de l'armée du salut, toujours à la salle de la Réformation, toujours avec 3000 personnes, il y avait tellement de bruit que la maréchale a dû demander qui voulait vraiment écouter l'évangile. Du coup, ils se sont rendus dans une autre salle avec 300 personnes.
Donc on peut voir que 90% des pressions, ils voulaient seulement causer des problèmes à la maréchale et aux réunions de l'armée du salut. Avec ces 300 personnes, ils ont prêché, ils ont eu la réunion, et 40 personnes ont accepté Jésus comme leur sauveur de leur vie. Un témoin de l'époque dira à propos de ça. J'étais là, dimanche matin à 7h. Une vraie Pentecôte. Des centaines à genoux, hommes, femmes, enfants. Je ne puis décrire ce que je ressentis. C'était comme si mon cœur s'était fondu devant le Seigneur. Je ne pouvais que dire, c'est ton esprit, oh Dieu, c'est ton esprit. À la fin du mois décembre 1882, plus de 1200 personnes ont accepté Jésus comme leur sauveur et ils sont devenus des salutistes qui portaient l'uniforme en tout temps. Ou même sur leur habits de travail, ils commencent à shooter 2S pour aller travailler, pour aller au marché. Maintenant, on voit des salutistes partout dans la ville. Et même si on ne les voit pas, tout le monde parle de l'armée du salut. Tous les jours, il y a un article sur l'armée du salut sur les journaux. Et même dans les restaurants et lieux de rencontres, il y a des panneaux qui disent « Ici, on ne parle pas de l'armée du salut ». Le sujet de l'armée du salut et de ses réunions commence à monter aussi au pouvoir public. Eux, au lieu d'assurer la liberté religieuse inscrite dans la Constitution suisse et assurer la protection de toute personne qui fait utilisation de ses droits, eux, ils commencent à suspendre toute réunion susceptible à occasionner du trouble. Le 2 février 1883, le Conseil d'État de Genève sort un arrêté suspendant temporairement tous les exercices de l'armée du salut. Plus de question de tenir des réunions publiques maintenant. Mais peut-être qu'une possibilité, ce serait d'avoir des rencontres privées chez les nouveaux convertis ou même chez des amis de l'armée du salut de l'époque. Louis Appiah, un des membres fondateurs de la Croix-Rouge, met à disposition une pièce de sa maison qui devient alors le premier quartier général en Suisse. Elisabeth Combe risque tout pour la propagation de la bonne nouvelle. Sa spacieuse demeure, rue du Soleil Levant, devient un lieu de prédilection pour les réunions du nombre grandissant de ces soldats du salut. Mais cela ne dure pas très longtemps, parce que maintenant, même les réunions privées sont interdites. La police doit créer même une brigade spéciale avec le seul but d'intercepter et arrêter toutes les réunions salutistes. Dès qu'ils voient une Bible, ou un drapeau, ou même un cahier des chants, voilà une réunion salutiste. Il doit tout arrêter immédiatement et des fois même les mettre en prison. L'armée du salut maintenant est illégale à Genève. Et le 10 février 1883, l'État de Genève, il va aller encore plus loin. La maréchale reçoit un arrêté d'expulsion du canton de Genève. Les motifs, entre autres, des réunions illégales et la publication d'affiches qui incitent aux troubles de l'ordre public. Au final, la maréchale est expulsée de Genève pour une contravention supposée à un simple règlement de police. Un règlement qui est de la même catégorie que celui qui interdisait de placer des pots de fleurs sur les fenêtres. Imaginez-vous, une personne expulsée du canton pour avoir mis un pot sur sa fenêtre. La maréchale a dû quitter Genève, laissant derrière des salutistes prêts à continuer la mission de l'armée du salut, même dans la clandestinité. La maréchale épuisée arrive dans un hôtel à Lausanne le 12 février 1883. Mais quand la propriétaire réalise que c'est une salutiste, elle l'a mis dehors à minuit. Nous pouvons avoir l'impression que la maréchale est une fille en forme. Mais la vérité, c'est qu'elle avait une santé très délicate. Elle souffrait de très fortes douleurs dans son dos. Et elle souffrait aussi de ce qu'on appellerait aujourd'hui des burn-out. Et pour l'armée du salut, quel serait-il l'avenir? Nous tous qui, quelles que soient nos convictions religieuses, rendons justice à cette grande figure du Christ, nous devons nous rappeler qu'on a dressé contre lui les mêmes accusations, les mêmes plaintes, les mêmes reproches et qu'on a ameuté contre lui la populace par les mêmes procédés que ceux dont M. Schuerzer vient d'user contre l'armée du salut. Avec cette déclaration du président de la Confédération suisse, M. Louis Ruchonnet, le 22 septembre 1890, on arrive gentiment à la fin des mesures arbitraires contre l'armée du salut.
mais jusqu'en 1898, il y a encore des salles détruites, des pierres sur les salutistes et d'emprisonnement. Les 10 premières années de l'armée du Salut en Suisse, il y avait déjà 125 postes qui ont été ouverts, malgré l'arrêté temporaire des exercices de l'armée du Salut le 2 février 1883. Pendant ces 10 années, beaucoup de personnes de toutes classes sociales et religieuses ont analysé les mesures contre l'armée du Salut. Et tous ont été d'accord avec le fait que cette mesure violait les libertés garanties par la Constitution suisse. Un autre élément qui revient à chaque fois que quelqu'un prend la parole pour défendre l'armée du Salut, ce sont les fruits du travail salutiste. Des hommes et femmes qui ont été transformés par la grâce de Dieu et qui maintenant sont devenus des bons citoyens, convertis et changeant leur manière de vivre. Les conversions d'hommes et de femmes par le moyen de l'armée du Salut commencent à prendre un intérêt d'utilité publique. Comme par exemple des voleurs qui vont aller au poste de police pour restituer leur butin. Ou alors l'exemple de cette mère, quand elle était jeune, elle donne son bébé, une petite fille, à une autre famille. Une fois convertie, elle va prendre contact avec son bébé. Mais la famille lui dit que maintenant, la fille de 18 ans, elle est devenue une salutiste. Imaginez-vous la joie de cette mère d'apprendre que sa fille maintenant, elle est aussi une salutiste. La rencontre a eu lieu dans la famille de Dieu. Et entre plusieurs histoires, il y a celle-là d'un couple divorcé. Mais chacun, après avoir expérimenté la nouvelle naissance, il décide de recommencer à nouveau, cette fois avec Jésus. Mais à la mairie, il n'y a pas de formalité pour réunir un remariage entre les mêmes personnes. Alors ce fait, il faisait un témoignage en lui-même. Jusqu'en 1898, la vie des salutistes se déroule ainsi. Ils arrivent à la salle le matin pour la réunion des prières et ils la trouvent détruite avec des pierres à l'intérieur. Ils la préparent et ensuite ils commencent la première réunion. Ensuite, la police arrive. Il doit tout arrêter à la force, même si ça s'est fait dans un domicile privé. Ensuite, toutes les personnes présentes doivent aller devant le tribunal, qui devient un lieu de témoignage des vies changées par la puissance de Dieu. Dans le tribunal, il y a eu les déclarations suivantes. Lorsque je servais le diable, je buvais et faisais souvent du scandale. Et jamais je n'ai été arrêté pour ça. Mais depuis que ma vie a changé, j'ai eu à comparaître devant le tribunal pour avoir prié mon Dieu. Il est inconvenant, dites-vous, que des jeunes filles paraissent en public pour répandre l'Évangile. Si nous étions venus à Genève pour jouer, chanter ou danser sur la scène d'un de vos théâtres, le public genevois, je n'en doute pas, nous aurait fait le meilleur des accueils. Nous aurions chanté, dansé dans des toilettes à coup sûr moins décentes que ces uniformes. Un grand public des deux sexes nous aurait applaudi. Mais que des jeunes filles tentent de sauver quelques malheureux d'entre les milliers de vos concitoyens, quand, le cœur plein de pitié, d'amour, elles apportent à des êtres coupables la bonne nouvelle du salut, alors, messieurs, vous êtes scandalisés. Vous pouvez nous punir, vous pouvez nous emprisonner, vous pouvez nous persécuter, vous pouvez nous chasser. Mais ce que vous ne pouvez faire, c'est arrêter cette œuvre, nous supprimer. Je vous préviens, prenez garde à ce que vous faites. En nous chassant, faites bien attention de ne pas chasser la lumière, de ne pas chasser Jésus, de crainte que dans le jour du jugement, vous ne soyez trouvés coupables d'avoir combattu contre Dieu. Vous ne pouvez pas nier que Dieu est avec nous. Ces mots tombaient dans le plus profond silence. Avec la puissance d'une messagère de Dieu, avec la calme d'un monde spirituel, bien des personnes se sont senties comme dans le tribunal du roi des rois, et l'accusateur est devenu l'accusé. Les batailles les plus dures pour l'armée du salut ont commencé à Genève. En 1898, Genève a été le dernier canton à supprimer et déclarer illégale toutes mesures contre l'armée du salut, donnant fin à l'arrêté temporaire du 2 février 1883. Gardons dans nos cœurs toutes ces années de bataille, ainsi que la liberté que nous avons aujourd'hui, qui font de nous l'armée du salut.